Merci d'être avec nous sur Al24 News, au sommaire de l'actualité de ce mercredi 18 mai. La capitale libyenne, Tripoli, renoue avec le calme après avoir été le théâtre de violents affrontements entre forces rivales de l'Est et de l'Ouest. Les appels à la retenue se multiplient. Nouvelle provocation en Palestine occupée, la mosquée Al-Aqsa de nouveau envahie par des dizaines de colons sionistes sous la protection de la police de l'occupation. Affaire Pegasus, le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez se défend devant le Congrès, se disant victime d'espionnage. Dans le conflit russo-ukrainien, Moscou annonce la reddition de près de 1000 militaires retranchés sur le site sidérurgique d'Azovstal de Mariupol et déclare persona non grata des diplomates français, italiens et espagnols sur le sol russe. Bonsoir à tous. Tripoli, l'imprenable, la capitale libyenne, retrouve peu à peu son calme après avoir été le théâtre de violents affrontements hier entre forces rivales de l'Est et de l'Ouest. Depuis, les appels au calme et à la retenue se multiplient. Des voix de l'intérieur comme de l'extérieur invitent les belligérants à adopter la voie pacifique pour parvenir à l'organisation d'élections. Le point de la situation avec Souad Ben Baratouch. La Libye, des craintes vers un retour à la case départ, la question s'impose d'elle-même, tant la division est grande et la violence est intense. Les inquiétudes et les préoccupations à l'intérieur comme à l'extérieur du pays n'ont pas tardé à être exprimées. Aussitôt après les affrontements entre milices des deux chefs des gouvernements libyens rivaux, ces combats sont intervenus alors que Fathi Bachara a tenté hier à l'aube d'investir Tripoli. La tentative s'est soldée par un échec et le premier ministre désigné par le Parlement de l'Est, soutenu par le dit maréchal Haftar, a fini par annoncer l'intention de son exécutif d'opérer depuis Sirte, sans pour autant cacher son intention de vouloir envahir une nouvelle fois Tripoli. Une invasion qualifiée par certains observateurs de tentative de coup d'État et de déstabilisation du pays. Sorti dans les rues de la capitale, aussitôt l'accalmie de retour, Abdelhamid Beyba, en homme fort, s'est retrouvé confronté à une population en panique. Il a tenté de rassurer lors d'une intervention à la télévision. Pour lui, la seule solution pour apaiser les tensions est l'organisation des élections. C'est ce à quoi a aussi appelé le chef du Conseil suprême d'État, Khaled Al-Mashri. Il propose de trouver un consensus sur une base constitutionnelle et la mise sur pied d'un mini-gouvernement chargé d'organiser le scrutin général. Par ailleurs, l'Algérie, le Qatar, la Grande-Bretagne, mais aussi la Turquie, la France et les États-Unis ont appelé les parties libyennes à adopter la voie pacifique et permettre aux Libyens de décider de leur sort par la voie des urnes. Les derniers développements dans la capitale libyenne font craindre un échec des pourparlers en cours au Caire, des négociations sous l'égide de l'ONU entre le Parlement de Tobrouk à l'Est et le Haut Conseil d'État à Tripoli sur les amendements constitutionnels pour l'organisation d'élections. Et pour revenir justement sur les derniers événements en Libye, nous avons en direct avec nous depuis Tunis Rafah Tabib, politologue. Monsieur Tabib, bonsoir. Bonsoir. Alors, quelles étaient les intentions de Fathi Bachara en faisant cette incursion? Selon vous, quel message voulait-il véhiculer? Alors, s'agit-il d'un message de la part de Fathi Bachara ou d'autres puissances régionales qui ont essayé de pousser le chef milicien à investir la capitale de cette manière, pour montrer d'abord que c'est elle qui détient les cartes et qui peut imposer le chef du gouvernement à l'instant et de la manière qu'elle veut. Et en plus, ce qu'on a remarqué, c'est que nous avons une fragmentation territoriale énorme aujourd'hui, en Libye, avec un effritement institutionnel très clair, et bien sûr la déliquescence des institutions.
Cela va-t-il aggraver les chances pour arriver à un consensus, selon vous, en Libye? Il est très difficile de parvenir à un consensus pour une raison très simple. Parce que ni M. Fathi Bachar, ni M. Abdelhamid Dbeib ne sont innocents de la mise hors circuit du processus électoral. Nous savons très très bien que M. Dbeib a été chargé d'organiser les élections du 24 décembre 2021. Il s'est engagé à le faire. Et pourtant, on a remarqué qu'il a tout fait pour qu'il y ait interruption de ce processus. De même, M. Fathi Bachar, autant que le maréchal Haftar, n'ont pas voulu que les Libyens parviennent à choisir et à élire leurs propres représentants et ont été d'accord avec cette forme de putsch que vit la Libye depuis pratiquement 2011. Parce que maintenant, le grand problème, et vous l'avez cité dans votre intervention tout à l'heure, lorsque vous avez parlé de la nécessité d'organiser des élections. Parce que sans élections, la Libye sera toujours à la merci et sous la domination des milices. On l'a remarqué hier, il n'y avait ni armée, ni police, ni absolument rien. Il y avait des milices dont certaines sont vraiment des organisations purement Mais encore, monsieur Tabé, encore faut-il asseoir les conditions pour organiser des élections. Encore faut-il asseoir des conditions pour organiser un scrutin en Libye. On peut le faire. Les Libyens, dans des conditions beaucoup plus difficiles, ont organisé des élections en 2012 et en 2014. Mais ce qui s'est passé après, c'est que arrivé au pouvoir avec le soutien de l'Organisation internationale de l'ONU, avec des envoyés et des émissaires de l'ONU qui sont devenus une partie du problème et non une partie de la solution, eh bien, toute la classe politique qui est au pouvoir aujourd'hui, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest, ne veut plus maintenant lâcher prise. Et pour eux, ils vivent de la rente politique qui est totalement protégée par les institutions internationales. Rafaa Tabib, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes politologue, vous étiez en direct avec nous depuis Tunis. Direction le Mali à présent, et pour tenter de débloquer un processus en panne depuis 7 ans, une rencontre a été organisée par des canaux diplomatiques différents, dont algériens, notamment regroupant les différents acteurs du conflit. Comment doit-on adapter la mise en œuvre de l'accord de paix issu du processus d'Alger aux nouvelles donnes, notamment avec Assimi Goïta à la tête du pays? Ce paramètre et d'autres ont été pris en considération. Kalim Bouaziz. Le processus de paix d'Alger pour le Mali de nouveau à l'ordre du jour, tout porterait à le croire. L'ensemble des représentants sont en tout cas prêts à revenir à la table des négociations. Sous l'égide de l'envoyé spécial au Mali ainsi que le chef de file de la MINUSMA, le tout présidé par l'envoyé spécial de l'Algérie, le diplomate Boudjemaa Delmi. Ce que l'on sait est que les discussions du jour ont pris appui sur la dernière réunion du comité de paix tenue le 5 octobre dernier. Mais également, les points à élucider pour les protagonistes sont en plus des réformes institutionnelles, la volonté d'intégrer quelques 20 000 ex-combattants en plusieurs étapes. Pourquoi donc maintenant pour la relance d'un accord de paix, lui qui est à peu près au point mort depuis 7 ans? À savoir tenter d'envoyer un message fort dans un premier temps, que d'abord et avant tout, la solution malienne est un débat interne sans aucune forme d'arbitrage extérieur. Les mauvais esprits pensent d'emblée à la France. Le nouveau gouvernement d'Assimi Goïta veut battre le fer tant qu'il est chaud en entérinant sa montée au pouvoir. Il y a un temps pour les combats et un autre plus délicat pour la politique. Et justement, ce n'est pas le sujet qui manque. Outre la violence multiforme, il y a bien sûr la question brûlante du Sahel ainsi que l'impunité des anciens membres du gouvernement passé. Les protagonistes ont déjà prévu de se revoir 3 fois lors des prochaines semaines. Au Burkina Faso, la deuxième chambre de refuge où les sauveteurs pensaient retrouver 8 mineurs disparus sous terre depuis un mois dans une mine de zinc est vide. Les autorités burkinabées et les responsables de la mine n'entendent pas baisser les bras. Les recherches ne sont pas finies. La chambre du refuge a été ouverte devant nous. Et bien, l'homme propose et Dieu dispose.
Donc, malgré toutes nos incantations, toutes nos prières, nous avons trouvé une chambre de refuge, vivre vide de tout être humain. Le gouvernement s'est engagé à poursuivre donc le travail de pompage pour regarder un peu plus bas, plus profond dans les entrailles de la terre. Est-ce que nos huit frères là, n'ont pas pu trouver un refuge autre que celui que nous espérons qu'il se trouve. Direction le Proche-Orient à présent, où des dizaines de colons sionistes ont à nouveau envahi ce mercredi la mosquée Al-Aqsa sous la protection de la police de l'occupation, prenant d'assaut la mosquée sainte et effectuant des tours dans ses esplanades. Amin Touta. Une semaine après l'assassinat de la journaliste Shirin Abu Aqila, l'entité sioniste poursuit sa politique d'escalade dans les territoires occupés. Une situation marquée par les assauts menés à Jenin par les forces d'occupation et les arrestations arbitraires d'une dizaine de Palestiniens. Pour l'autorité palestinienne, cette nouvelle campagne belliqueuse contribue à faire exploser la situation et créer une atmosphère de violence et de tension. De son côté, la diplomatie palestinienne a condamné les incursions fréquentes de l'armée d'occupation, estimant qu'elle est synonyme d'une politique de colonisation. Ces dénonciations palestiniennes interviennent au moment où des appels sont lancés par une organisation juive pour la démolition et le démantèlement du Dôme du Rocher sur l'esplanade de la mosquée. Une nouvelle atteinte plus qu'évidente à la souveraineté d'un peuple et à ses droits légitimes sur sa propre terre. Mais la politique d'impunité et le silence international depuis plus de 7 décennies ont inversé l'échelle des valeurs, faisant du détenteur du droit un agresseur et de l'occupant un ayant droit. Autre peuple opprimé, celui du Sahara occidental, une délégation internationale d'experts internationaux, de défenseurs des droits de l'homme et d'observateurs, ainsi que les familles des prisonniers de Gdeim Izik, tiennent ce soir une conférence de presse virtuelle afin de parler de la situation dangereuse des prisonniers civils sahraouis dans les prisons marocaines et d'exiger une action internationale pour leur libération immédiate. L'on dit une mission internationale composée d'experts des droits de l'homme, de juristes et d'avocats a exprimé sa condamnation des violations subies par les prisonniers sahraouis du groupe Gdeim Izik dans les cellules des prisons marocaines. Je vous en parlais en titre, le cas Pegasus a mis l'accent ce mercredi et pour la 3e session plénière consécutive sur la session de contrôle du gouvernement de Congrès au Congrès. Le chef du gouvernement Pedro Sanchez, les ministres de la présidence Félix Bolaños et de la défense Margarita Robles ont eux aussi à nouveau fait l'objet d'un examen ainsi que le ministre de l'Intérieur Fernando Grande Marlaska pour la première fois. Pedro Sanchez s'est défendu et a déclaré être victime d'espionnage. Iman Merad. L'affaire Pegasus continue de rebondir en Espagne, suite aux révélations selon lesquelles plusieurs leaders indépendantistes catalans auraient été espionnés pendant des années, vraisemblablement par Madrid. Le gouvernement espagnol affirme à son tour qu'il aurait été victime d'écoutes illégales au moyen du logiciel sioniste Pegasus. Celle-ci aurait visé le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez et sa ministre de la Défense Margarita Robles dans le courant de l'année 2021. Félix Bolaños, ministre de la Présidence, s'est indigné, qualifiant d'énorme gravité cette intrusion 2.0 et affirmant être convaincu d'avoir été victime d'espionnage, sans pour autant préciser si les autorités espagnoles avaient une piste sur la genèse de cette intrusion et notamment si elle provenait d'un pays étranger. En effet, une grande controverse s'est installée autour des liens probables entre l'affaire de l'espionnage du téléphone portable de Pedro Sanchez et son revirement dans le dossier du Sahara occidental. Ce doute a été principalement exprimé par les partis politiques qui tentent encore à ce jour de démasquer les raisons sous-jacentes qui ont conduit Pedro Sanchez à faire volte-face sur la question sahraoui. Selon ces derniers, il se pourrait que Pedro Sanchez ait été victime de chantage de la part du Maroc après découverte d'éléments compromettants. Des hypothèses émises publiquement par des hommes politiques espagnols, mais sans aucune confirmation concrète. Faisant face à des questions au Congrès européen sur l'affaire Pegasus et leurs relations avec ses propriétaires, Pedro Sanchez, Félix Bolaños et Margarita Robles
ont fait à nouveau l'objet d'un examen auquel s'est ajouté cette fois le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska. Mais le chef du gouvernement espagnol a tenté de se défendre contre les accusations du scandale d'espionnage en affirmant pour la première fois avoir été victime de l'intrusion téléphonique de Pegasus. Suite à ces révélations, quelle serait donc l'exactitude de la dite affaire d'espionnage? Quelle lecture devrait être faite? Vérité ou manipulation? Seul l'avenir nous le dira. Je vous en parlais également en titre. Dans le conflit russo-ukrainien, le ministère russe de la Défense a annoncé ce mercredi que 959 militaires retranchés sur le site sidérurgique d'Azovstal de Mariupol se sont rendus depuis lundi. Ces militaires étaient retranchés dans les galeries souterraines de cette immense aciérie. Le port stratégique de Mariupol, où se situe le site industriel, a été le théâtre d'intenses combats. À Mariupol, les militants de l'unité nationaliste Azov et les militaires ukrainiens bloqués à l'usine Azovstal ont continué à se rendre. Au cours des dernières 24 heures, 694 militants se sont rendus, dont 29 blessés. Au total, depuis le 16 mai, 959 militants se sont rendus, dont 80 blessés. Et dans la foulée de ce conflit, la Russie a annoncé ce mercredi expulser 34 diplomates français en représailles aux expulsions en avril par la France de 41 Russes. L'ambassadeur de France à Moscou, Pierre Lévy, a été convoqué ce mercredi au ministère russe des Affaires étrangères et s'est vu remettre une note signifiant que 34 collaborateurs des établissements diplomatiques français en Russie avaient été déclarés persona non grata. Cette mesure a été accompagnée par l'expulsion de 27 diplomates espagnols et 24 italiens. Et des conséquences géostratégiques ressortent également du conflit russo-ukrainien. La Finlande et la Suède ont soumis ce mercredi leur demande d'adhésion à l'OTAN et des consultations étaient en cours entre les alliés pour lever l'opposition de la Turquie à l'intégration des deux pays nordiques dans l'Alliance. De son côté, le président turc Recep Tayyip Erdogan a dit espérer que les alliés de la Turquie entendront ses inquiétudes. Le chef de l'État qui reproche aux deux pays nordiques d'héberger des membres du PKK. Malheureusement, pas un de nos alliés n'a respecté cette sensibilité comme nous l'espérions, et je ne parle même pas de soutien. Je n'oublie pas l'époque où le PKK et Daesh étaient à nos frontières et nos systèmes de défense anti-aérien ont été détruits. Nous avons continué à nous conformer à nos responsabilités au sein de l'Alliance. Actuellement, nous sommes parmi les pays qui soutiennent le plus les activités de l'Alliance, mais cela ne signifie pas que nous dirons oui à chaque proposition sans poser de questions. L'élargissement de l'OTAN a du sens pour nous dans la mesure où il respecte nos sensibilités. Soutenir l'organisation terroriste PKK-YPG de toutes les manières et en même temps attendre de nous un soutien pour rejoindre l'OTAN est, pour le dire simplement, incohérent. Le conflit russo-ukrainien se répercute également sur les différents marchés, notamment celui du gaz. D'ailleurs, le géant énergétique italien Eni a annoncé sa décision d'ouvrir un compte en euros et un autre en roubles auprès de Gazprom Bank afin d'honorer ses paiements de fourniture de gaz russe dus dans les prochains jours, se pliant ainsi aux exigences de Moscou. En économie, c'est aussi l'inflation qui a bondi à 9% en avril sur 12 mois au Royaume-Uni, un record en 40 ans, principalement à cause de l'énergie, ce qui devrait accentuer la crise du coût de la vie et les pressions sur Downing Street pour agir. Nous ne voulons pas le faire, bien sûr. Nous ne voulons pas le faire. Nous croyons aux emplois, nous croyons aux investissements et nous croyons à la croissance. Il se trouve que les compagnies pétrolières concernées sont en passe d'investir environ 7 milliards de livres dans notre économie au cours des prochaines années.
elles sont déjà taxées à un taux de 40%. Ce que nous voulons voir, c'est un investissement dans l'approvisionnement énergétique à long terme de notre pays. Nous dépensons déjà 22 milliards de livres. Nous aidons déjà les gens à faire face au coût de la vie de toutes les manières possibles. Mais si nous pouvons le faire, c'est parce que nous avons pris des décisions difficiles pour permettre à ce pays de traverser la crise du Covid, pour nous assurer que nous sommes sortis de la crise d'une manière qui était nécessaire et pour avoir une économie forte avec une croissance robuste de l'emploi, Monsieur le Président. En Algérie et dans le cadre des efforts en matière de capitalisation des ressources humaines et compétences nationales dans le secteur des hydrocarbures, des accords de partenariat portant sur la formation de stagiaires dans les wilayas de Ouargla et Ilizi en partenariat avec la société Petrofac ont été signés ce mercredi. Cette initiative a eu lieu à l'occasion d'un événement célébrant la réouverture à Hassi Messaoud du centre de formation aux métiers de la construction dans le domaine de l'énergie. En présence du PDG de l'entreprise Sami Iskandar, le centre en question pouvant accueillir jusqu'à 400 stagiaires par an. Coopération algéro-cubaine à présent, affinité révolutionnaire et réciprocité solidaire. L'Algérie met à l'honneur les amis de sa grande révolution en marge de l'événement international. L'ambassade de la République de Cuba à Alger a célébré le 60e anniversaire de l'établissement des relations bilatérales avec la République algérienne démocratique et populaire. À cette occasion, deux hauts diplomates cubains pionniers du mouvement révolutionnaire ont été invités à témoigner sur leur expérience. On a commencé des activités très importantes pour Cuba. La première était la première collaboration internationale médicale. Quand on est allé à l'extérieur, c'était ici. C'était petit, c'était là. Nous n'avons pas la capacité qu'on a eu. Et aussi la première aide militaire. Parce que quand Maroc veut obtenir tous les Tindouf, on envoyait une brigade de tanks, artillerie. Nous n'avons pas combattu, mais la présence cubaine a été utile aux Algériens pour la négociation avec le Maroc. Et le Maroc, qui ne veut pas accepter les frontières, qu'elle accepte quand les Français sont ici, donc accepter cette relais. Nous n'avons pas combattu et ce qu'on a fait, on a pris les camarades algériens, on les préparait avec l'armement que nous avions, on les a cet armement aussi. Les tanks et l'artillerie. À ce moment donné, Maroc fait ça parce que Maroc a la possibilité d'avoir une armée régulière et l'artillerie est en train de transformer les colonnes de guérilla dans une armée future. Et les Marocains veulent profiter de cette situation particulière, mais non pas le faire. Notre premier ministre à l'époque, Fidel Castro, quand il était aux Nations Unies en 1960, il a parlé beaucoup sur l'Algérie en 1960. Et Che Guevara aussi, quand il était aux Nations Unies, avant de débarquer en Algérie, et aussi s'est référé à l'indépendance de l'Algérie. En même temps, de Yamassola l'a dit que nous avons aidé. Il a cité un argentin qui s'appelait Jorge Ricardo Massetti, qui était fondateur de la première agence de presse de Cuba, qui a voyagé sur le mandat de notre premier ministre Fidel Castro à Tunis et qui a eu l'occasion à ce moment-là de se entretenir avec l'ancien président à l'époque, Ahmed Ben Hedda. Auquel Fidel a offert la possibilité d'une aide militaire au Front de Libération Nationale, qui a été acceptée. En sport, parlons tennis avec l'illustration des athlètes algériens lors du tournoi international ITF Pro d'Oran. Trois Algériens sont qualifiés désormais pour les quarts de finale à l'issue de cette journée, dont Inès Ibou. Pour en parler, est avec nous Walid Bouaouich. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation.
Alors, vous êtes journaliste sportif et arbitre international de tennis. Peut-on parler de résultats prometteurs pour les Algériens à l'approche des Jeux méditerranéens qu'abritera d'ailleurs la ville d'Oran en juin prochain ? Une très bonne nouvelle pour le tennis algérien, bien sûr. Ça fait déjà presque 5 ans qu'on n'a pas organisé un tournoi international en senior chez les messieurs et chez les dames. Déjà, organiser un tournoi, c'est déjà une bonne nouvelle pour le tennis algérien, mais aussi également une phase de préparation pour les Jeux méditerranéens. Aujourd'hui, 3 Algériens, 2 chez les dames et 1 chez les messieurs, sont qualifiés pour les quarts de finale. Il s'agit donc du nouveau venu avec la sélection algérienne, Ryan Guedmiz, qui s'est qualifié face à un joueur espagnol. Il va affronter demain donc un autre joueur pour se qualifier pour les quarts de finale. Guedmiz qui va affronter le fils de Björn Borg, le Suédois. Donc, qui ne connaît pas Björn Borg, un grand champion qui a remporté plusieurs fois les grands chelems, et ben son fils participe à ce tournoi ici en Algérie. En cas de qualification, Ryan Guedmiz va affronter le vainqueur entre Benjamin Locke, le Zimbabwean, tête de série numéro 2, et Martinez, l'Espagnol. Chez les dames, Lida Bakdour a créé la surprise en battant la tête de série numéro 5, une joueuse danoise, en 3-7. Elle va affronter demain un match difficile. La tête de série numéro 1 de ce tableau, l'Allemande Mayer Luisa. Et en cas de qualification, bien sûr, de Linda Bakdour, elle va affronter une autre Algérienne. Si elle sera qualifiée, on parle de Inès Ibou, qui va affronter demain une joueuse indienne, tête de série numéro 6. Bien sûr, Inès Ibou, on compte beaucoup sur cette joueuse pour aller le plus loin possible et remporter ce tournoi. Donc, on va attendre demain les quarts de finale pour connaître donc, si les Algériens seront qualifiés pour le dernier carré de ce tournoi. Rapidement, Walid Bouaïch, en termes d'organisation et toujours concernant le tennis, Oran est-elle fin prête pour accueillir les athlètes qui viendront des deux rives de la Méditerranée ? Walid Bouaïch. Ben, l'infrastructure est très belle, mais il y a quelques trucs à régler avant les Jeux méditerranéens. Par exemple, les terrains ne sont pas vraiment en très bon état. Il reste quelques jours avant le coup d'envoi. Et c'est pour cela qu'on a organisé donc, avec la fédération ce tournoi pour voir dans quel état sont les terrains de ce club Habib Khalil. Il reste quelques jours, il faut rectifier quelques détails sur donc, les terrains et également au niveau donc à l'extérieur, il faut changer des trucs et on va envoyer à la Fédération internationale pour donc régler ces petits problèmes avant les Jeux méditerranéens qui auront lieu pour le tennis à partir du 27 juin. Merci beaucoup Walid Bouaïch. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif et arbitre international de tennis. Et je vous propose de dérouler le tapis rouge avant de clôturer ce journal. Le festival de Cannes est revenu en force après une absence forcée due au Covid-19. Une ouverture tout en glamour sur fond de conflit en Ukraine. Le festival de Cannes a fait son grand retour hier, une occasion pour les stars du 7e art à travers le monde de se rassembler et de célébrer 10 jours durant le cinéma. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Al24 News pour suivre la météo.